Bonjour, amis lecteurs, amis auditeurs. C'est Marc Pistreau en compagnie de Ramon Ruiz. Bonjour, Ramon. Bonjour Marco, très grande joie pour moi d'être ici. Eh bien, nous allons vous proposer une liste de quelques poèmes qui ont été retenus, quelques poèmes et quelques poètes qui ont été retenus pour ouvrir la nouvelle année. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est un choix, mais un choix qui a été commandé par notre sensibilité à Ramon et à moi. Bien sûr, Marco, des poèmes et des poètes. Et le premier de la liste, ce sera François de Cornière. Et François de Cornière qui a écrit Talonnade. Il y a aussi Jacques Josse, que tu aimes aussi beaucoup, je crois, Marco, qui est l'auteur de Le Veilleur des Brumes. Le Veilleur des Brumes. Une femme, Clarisse Bauzel, excellent poète, qui est l'auteur de Les fuites intimes, les fuites intimes. Une autre femme, Annabelle Gousset, qui a écrit Distance du lobe. Et le lobe, c'est comme cette chandelle qui montait dans le tennis ou dans le football, qui a trompé plus d'un gardien de but. Il y a aussi Franck Venaille, qui a écrit Cavalier cheval. Cavalier cheval. Jean Portante, et je crois que tu aimes beaucoup Jean Portante, l'auteur du Le travail des poumons. Le travail des poumons. Raoul Cassian. Raoul Cassian qui a écrit Désert d'angle. Tatiana Schtirbina. Schtirbina. Qui est l'auteur de Parmi les alphabets. Ramon, mon homonyme et mon même prénom, Ramon Gallienne, qui écrit Butin. Semus d'Agdetin. Semus d'Agdetin, qui a écrit Les chemins du nocturne. Mais veux-tu continuer à lire si tu veux, je te laisse lire la suite. Eh bien, cher Ramon Ruiz, c'est très volontiers que je prends le relais. Ce sera pour évoquer Jean-Michel Franck, que tu aimes autant que moi, et qui est auteur du recueil magnifique intitulé La mollesse du fessier. Qui as-tu déjà cité? Tu as cité Semus d'Agdekin, oui. Tu aurais pu citer Le Verbe temps, un autre recueil merveilleux de Seimus, d'Agdekin. Wilfred Hoffmann a écrit Et chaque lent crépuscule. Stefan van der Brempt a écrit Racine d'un nuage. Myriam van Hey, le très joli recueil intitulé Le lien entre les jours. Michel Beaulieu, Vue. Céline Vaubert, L'anus éternuement. Claude Beausoleil, Lecture des éblouissements. Daniel Biga, Poète ne cotise pas à la sécurité sociale. Le poète ne cotise pas à la sécurité sociale. Patrice Béret est l'auteur de Passagers de la nuit. Nicole Brossard, Installation. Frédéric Lautier, Caca senteur. Paul Chamberlain, Phénix intégral. Francis Danemark, Antarctique. Jean-Paul Daous, Rose labyrinthe. Je te laisse continuer, mon cher Ramon. Très Je vous rappelle volontiers, que très c'est Marc volontiers. Pistreau et Ramon Ruiz qui vous donnent les noms des poètes et des titres des recueils qui ont su toucher leur cœur. Tout en était, mon cher Marco, à tout a dit les roses labyrinthes de Jean-Paul Daoust. Alors, mais je vais peut-être me permettre d'accélérer un peu car la liste est longue. Des poètes qui, comme tu l'as dit, ont su toucher notre cœur, corazón, mais surtout qui ont su toucher notre cœur et notre esprit. Spirito, très important pour nous. Alors, j'en étais Patrice Delbourg. Patrice Delbourg a su nous toucher. Il a écrit Cadastre. Patrice Delbourg a encore écrit Absence de pédigré. Et les deux recueils sont très bons. Stéphane Despatie, Au milieu du vacarme. René Lebrizot,
Pincée de ciel, louée du boss, évidence qui passe, l'évidence qui passe. Daniel Fano, chocolat bleu pâle, Rémi Fay, entre les marges, Leslie Legorgeuse, franchir les trous pâles 1, Régine Folopegani, tributaire du vent, Dominique et la barrière, visage pour mémoire, Philippe MacLeod, liturgie des saisons, Jason Friedberg, Spartatouille, Claire Marroux, ni si lointain. Marroux, ce n'est pas le Marroux, ce n'est pas l'écrivain. Malheureux. L'écrivain, romancier, c'est Claire Marroux, poète, poétesse. Malheureux. A écrit ni si lointain. Mathieu Messagier, Transfiguration. Myriam Montoya, Je viens de la nuit. Claude Mourtet, dit plus bas. Un autre recueil de Claude Mourtet que tu aimais Claude bien Mourtet, comme moi, je l'adore. Qui s'appelle Engrame. Léonard Nolens, Brèche. Luc Miron, Trou. Claude Pellino, Creux. Robert Picamilio, Fédérale 61, au Nord. Fédérale 61 au Nord. Ah, c'est le titre du recueil. Jean-Yves Rezeau, Rock and Roll. Ça fait un jeu de mots avec... C'est amusant, Rock and Roll. Rock and Roll. Franz Boutinier, Pluriel du vent. Jacob Stuart Leighton. Leighton, c'est en anglais. Chose. André Roy, Accélérateur d'intensité. James Sacré, Comme boyau, bonbon, carafe, beaucoup, bouteille. Beaucoup, pas boyau, beaucoup. Oh, pardon, oh. Raison. Comme beaucoup, bonbon, carafe et bouteille. Bérénice Daugier, Ce qui reste des bulles. Serge Safran, Épreuve d'origine. Philippe-Étienne Moulard, Ventre bite. Eh bien, mon cher Ramon, à ce stade de notre lecture... Ramon, Ramon, eh bien, à ce stade de notre lecture, je crois qu'il serait bon que nous accélérions un petit peu, veux-tu? Accélérer, c'est vrai. Marco, c'est vrai que la liste est longue et qu'il y a beaucoup de poètes et beaucoup de titres de recueils. Bon, écoutez, je te laisse commencer, tu vas accélérer, dire les œuvres, les... Nom des poètes et les titres plus vite. Oui, merci, cher Ramon. Je crois qu'il serait très dommage de lasser nos auditeurs. Donc, tu viens de dire « Ventre bite » de Philippe-Étienne Moulard. Je continue un petit peu froidement, je m'en excuse, mais notre émission est relativement courte et il ne faut pas perdre une minute, il ne faut pas qu'un seul... des poètes que nous aimons manque à l'appel. Pas perdre une minute. Jean-Luc Stenmetz. Pas perdre une seconde. Jean-Luc Stenmetz. Jusqu'à. François Tréteau. Séquence particulière. Jean-Pierre Chambon. Mot de l'autre. Denis Vanier. L'âme défigurée. Armel Naudion. Ça y va. André Velter. Passage en force. André Velter, ouvrir le champ. André Velter, sa cavale. Marc Villard. Oui, j'ai beaucoup cité André Velter en raison de son émission qui a longtemps passé sur l'antenne de France Culture qui s'appelait Du jour au lendemain. Une émission sur l'homme qui avait au corazon. La spécificité d'installer un calme, un charme oui. Et une espèce de... De lenteur, de sagesse. Tout le monde, il écoutait, tout le monde, il s'endormait. Marc Villard, mouvement de foule autour du bloc 9. Yolande Villemer, Quartz et Mika. Mien Dong Tiet, Omar aux trois urines. Thomas Transtromer, souvenir m'observe. Lucien Gougier, les pointes des angles mous. Jean Portante, la cendre de mots. Luc Gruvès, poème dissolu. Yves Ducoin, tiens mon bout.
Franck Laurent, après le paysage, Jean Lafondais, Vésicule. Marco, si tu permets, je vais continuer parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres à donner, beaucoup de poètes à citer. Alors, si tu me laisses le faire, je crois quand même que j'ai lié un peu Ah plus mais vite que vas-y, toi, Ramon, si ça ne te ne te vexe pas. gêne pas. Pierre Colin, La Lave et l'Obscur. Serge Peille, Poésie publique, poésie clandestine. Renaud Ego, La réalité n'a rien à voir. Marie-Kathleen Adodo, Marie-Kathleen Adodo et Isabelle Normand, Marie-Kathleen Adodo et Isabelle et Normand. Oui, bon, on a compris, elles s'y sont mises à deux. Lanterne des Virgules, Patrick Lestrel, un prout. Seymour Daktekin, encore lui que j'aimais beaucoup. Juste un pont sans feu. Stephen Bertrand, premier dit du colibri. Ariane Dreyfus, Iris, c'est votre bleu. Denis Grosdanovic, j'essaie de le prononcer à la russe un peu, c'est pas ma langue, mais j'essaie. Denis Grosdanovic, la faculté des choses. Djouhar Sile, le point esprit. Karel Logist, tout emporté. Marie-Claire Blancard, Terre énergumène. James Sacré, encore lui, que j'aime beaucoup aussi, toujours. Tissu mis par terre et dans le vent. François Descornières, ces moments-là. Jacques Vernou, Coin. Coin, c'est le titre. Jacques Vernou, il a écrit Coin. Comme le coin de. Comme le petit coin. Philippe MacLeod, Puissance du mystère. Jacques Fontrier, Lavage est gratuit. C'est intéressant quand c'est gratuit. Jean Portante, et encore je le cite, on l'aime bien. Une fois c'est toi, Marco, une qui fois le c'est cite. Moi, une fois c'est toi, pas de jaloux comme ça. Jean Portante, La réinvention de l'oubli. Mathieu Grosso, 1. Richard Gougnac, Probellule. Jean-Luc Maxence, Soleil au poing. Michel Baglin, De chair et de mots. Fabrice Melchiot, qui surligne le vide avec un cœur fluo. C'est comme une question qu'il pose. Hein. Qui surligne le vide avec un cœur fluo? Nourad Salamé, D'autres annonciations. François Bonmanex, Laissez verdure. Paulette Mestrier, Laissez rougeur. Micheline Cazot, Et après ces moments-ci. Jean-Luc Steinmetz, et pendant ce temps-là. Mathieu Messager, La dernière écriture, et d'où Simplicier. Jérôme Figné, Là dehors. Charles Dobzinski, Journal de la lumière et Journal de l'ombre. Jean Portante, eh oui, on a une fois c'est moi, une fois c'est toi, pas de jaloux comme ça. Après le tremblement. Jean Brumeau, après avant. Mathieu Grosso, ici dans ça. Éric Sarnet, cœur chronique, cœur chronique. Ixaro Borda, à nous-mêmes étrangers. Mais si on retire le O et le R, ça fait à nous-mêmes étranges. À nous-mêmes étranges. Nous, c'est quand on n'a pas des vêtements. Et nous, c'est quand on est un groupe. Ixaro Borda, à nous-mêmes étrangers, qui peut se lire aussi à nous-mêmes étrangers. À nous, nous. Luo King, Luo Ying, pardon. Lapin, lapin. Très joli recueil. Luo Ying a écrit Lapin, lapin. Marie-Claire Blancard, mot de passe. Julien Blaine, Timus, Lise Darou, ne tais rien du silence. Marguerite Frondeau, quelque temps, René-Pierre Leguet, Barcarolle, Barcarolle, Martine Chaillardot, Vigueur Plurielle, Sylvie Bresse, Kurt Roglodit, Jacques Darras, Blaise et Pascal et moi dans la Voie lactée, Ulrike Dresner, Reste d'Irlandelle, Gunther Grund, on reste dans les Allemands, Reste d'Alouette, Laure Cambeau, Ma peau ne protège que vous.
Werner Lambersi, La perte du temps, Lucien Beau-Lebourg, Suspension apostrophe, Yves Goutinier, Fonction de recul, et pour finir, Norbert Gourdon, Comme une démangeaison. Voilà, ce sont tous ces titres de ces poèmes qui ont été publiés tout récemment, dans le mois de décembre de l'année qui vient de s'achever, ou qui vont paraître dans le mois de janvier de cette janvier année. Janvier qui s'annonce et décembre qui vient de se terminer. Quelques-uns des poètes que nous aimons par-dessus tout et les titres de leur merveilleux recueil. Eh bien, merci Ramon, ou Ramon pour ne pas te vexer.